tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit coup de fatigue, vous faites pas attention. Je sens mon ami. Je vais vous faire voir la produit terminée. Donc il y a des choses que j'ai pas testées. Donc comme mon copain, il joue à Dofus actuellement. Il y a un combo. Donc il pourra venir. Mais je ferai avec vous. Les questions si jamais ou pas. Je m'en vais. Oh, les yeux. Bon. Allez, c'est parti. Mais non, t'es pas toute seule. Je colle les potes. J'ai mis un peu d'écran sur l'air, parce que je sais pas si on sera repris. On va aller sûrement au dentiste, c'est sûr. Et peut-être que j'irai faire un tour à Carrefour. Faut... Donc bouger. On a la température avec la main à mon beau-père. L'horloge à mon beau-père. Je sais pas. Allez, c'est parti. Camembert au lait cru. Il est né cette mère. Au lait. Oh, elle 250 grammes. C'est quoi, t'as aimé ou pas celui-là? Ouais, il était bon. Ouais. Il était bien plan. Il n'y a qu'à pas côté de moi, je vais pas la faire. La glace au spéculoos qu'on a eu chez Ali. Oh, ok. Voilà. Elle est trop trop bonne. Alors, c'est marqué. Crème glacée au spéculoos avec du spéculoos à tartiner, des morceaux de spéculoos décorés avec gras de spéculoos. 40% de spéculoos pour un produit total. 424 grammes. Moi j'ai bien aimé, c'est très bon. Et mon cœur est archi fan. Ah ouais? Ouais, c'est trop bon. La boîte, je vais la laver, la boîte, je vais la reprendre parce qu'elle est moins pratique. Là, j'ai fait ma colo, je suis en mer. Ça va finir. C'était pas la mer coulée. Je ferai tout à fait le job. Et j'ai remarqué que aussi que si je prenais un savon coiffeur pour la coloration, ça va, ça passe. Je peux prendre. Je peux utilement couper les cheveux. Ça va. J'aurai pas le choix. Et pour la coloration, je pense que je vais faire à domicile. J'ai demandé à mon ami Thibaut s'il peut me le faire, il a dit ok. Ou ma belle-mère, on verra bien ce que ça commence à se présenter. Voilà, prochaine fois dans un mois, je la fais chez Thibaut. Pour mes racines. Ça, c'est du lait entier de croissance. 1 litre. Très très bon. En fait, si vous voulez, c'est un petit goût de lait à la vanille légèrement sucré. Ça va un peu comme du cordier, mais il faut moins sucré. Aliments lactés liquides pour enfants en bas âge de 1 à 3 ans, stérilisé UHT. Et à la fin de la des ingrédients, il y a de laitier vanilline. Donc, à mon avis, c'est légèrement la vanille. Et ça, j'aime bien en avoir. Et ça, j'en ai acheté en Belgique. J'ai testé le Alpro Macacho. J'aime beaucoup, c'est un bon produit. J'en ai filé à ma copine avec son copain. Quand ils sont venus voir un café, ma copine a pris ça. Et elle aime bien. Elle aime bien, il est vraiment un très très beau produit. Pour ce genre, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Source de calcium, protéines végétales, source de vitamines B12, D2, sans colorant ni conservateur comme tous les boissons végétales du marché. Naturellement faible en matière grasse saturée, boisson en soja, saveur café avec calcium et vitamines ajoutées. C'est un très beau produit. Bon. Ça fait mon job. Il se file dans les dents. Mais c'est un beau produit pour alterner avec le café. Allez, oui. J'ai
J'ai mis cette robe-là avec des pleines plumes. Mais c'est une robe de chez AliExpress, si je ne me trompe pas. Mais elle a une drôle de texture au niveau de l'intérieur. Elle me gratte. Je ne sais pas si vous allez voir ce genre de produit-là. Après, les croisés Parmigiano Reggiano 60 grammes. C'est du Parmigiano Reggiano, appellation d'origine protégée. Fromage à pâte crue, cuite au lait cru. C'est les moins chers du marché. Ce que vous prenez, en hauteur, en haut plutôt qu'en bas, le produit, et plus c'est haut, c'est cher. Et en bas, moins c'est cher. Faut regarder toujours le poids au kilo. Merde, j'ai fini ça. Oh non! Mon tapis! J'ai fini. J'ai fini celui-ci. Un gel douche Dirty Wax Moisturize Miracle que j'ai eu chez Noz Hibiscus gel douche hydratant 280 ml. Je le surkiffe. Et c'est quoi, c'est la gueule. D'après qu'est-ce qu'ils disent, je vais faire voir comment. Gel douche, c'est marqué en anglais. Dès que je vous... c'est vegan. C'est une tuerie ce truc. Franchement, c'est dommage que le packaging est cassé, je suis dégoûtée. Mais franchement, je serais assez sceptique de garder le packaging parce qu'il est trop. Après, j'ai déjà gardé le pouce-pouce. Le pouce n'est pas fondu, mais ça, le reste de ça, je l'ai mis dans mon pouce-pouce des chevaux. Et franchement, si je retrouve la semaine prochaine à Noz Tourcoing, puisque vous parlez, j'ai rendez-vous dimanche. Mardi 10 septembre à Noz, au professeur Collinet, chez un professeur Collinet, pour ma maladie. Et peut-être qu'on va tester Faegaz et Noz à Tourcoing. On a testé Noz à Tourcoing. Il est hyper grand. Et peut-être que je vais retrouver sur cette gamme-là. Et franchement, je l'adore. Il y avait aussi du gommage, mais j'ai pas pris de gommage parce que tout était ouvert. Et si je me trompe pas. Ça, c'est pour le livre, ouais. Que j'ai mis sur le groupe, ne vendez plus de données, mon livre alien, j'ai une notification. Et donc, du coup, je sais pas si les ventes de main de ce genre de produit, cette gamme-là, Moisture Miracle, Hawaii, à l'hibiscus, les bandes de bain, faudrait que je teste. Ouais, une fois j'ai voulu prendre le gommage dans cette gamme-là, et malheureusement, les gueux et les gaz de Noz 1 en 1 avaient tout l'avaient ouvert. Il y avait aussi une autre gamme comme ça, si je me trompe pas, mais il était tout collant. Donc j'ai vraiment pas, tant pis, je suis un peu dégoûtée sur le coup, mais tant pis. Il n'y a pas un trait sur le cas, j'aime les gouttes. Voilà. Mais ça, c'est une super bonne gamme, ça c'est super bon et je valide. Je vais essayer d'en mettre, de côté. Ça coûte partout. Je vais sortir un peu. Allez hop, c'est que l'eau. Et du jambon. Très bien, pas ça. Et t'es fait de ça. Que lit parce que sinon, on va raconter. J'ai fini ce chips-là. Oh, les gros, vous reconnaissez sûrement. Paysanne, saveur en de horoscope caramélisé. C'est une tuerie. Quand tu as ton aide dedans, tu peux plus t'en passer. On a fini le focus hier. Hier, il faisait super chaud.
On est allé manger chez ma belle-mère, elle a fait ma coloration. On a mangé tard parce qu'on est arrivé tard, malheureusement, avec le travail de mon chéri, c'est pas toujours évident. On a venu ça sur le retour, il était très très tard au soir, il était presque 2 heures. Pour faire la route, tout ça, il y avait une bonne demi-heure à faire de tout ça, Fusca. Et du coup, on a fait focus Hakuna, Mango, Green Tea, au matcha. On adore. Et c'est trop bon, on les a eu à nos. Et ça, je rachète volontairement. Il fait trop chaud hier, il faisait entre 30 et 40 degrés. J'étais en PLS. J'ai testé ça. La tranche végé, pois chiche. J'ai eu ça en réduction. Et je pense qu'il y avait 40 cm de réduction à Leclerc, à certains dans les eaux. Franchement, j'ai adoré. Par contre, je trouve que c'était un peu cher, heureusement qu'il y avait une réduction. Mais voilà, c'était top, top, top. Végé? Végétal? Ah oui, c'est pas vegan, je veux dire. Que là, je suis en train de remarquer quand même des blancs de faim. Il y a 19,6% de peau sèche. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il faut découvrir. Hein. Ça va. C'est bien. J'ai fini des balistos. Il m'en reste quelques-uns. Moi, je pense qu'il m'en reste un des balistos. Chez nous, c'est trop cher à nos ans. Fruits rouges, ça c'est une tuerie. C'est une barre de chocolat avec du yaourt, des fruits et un petit sablé. Mais le yaourt c'est vraiment plus comme du chocolat en fait. C'est plus le chocolat qui est propre dessus. Allez, j'ai oublié ça. Puisque aussi il y a la complète crème du goût de fruits, des bois, le tout enrobé de chocolat au lait. Ah, c'est une crème, c'est pas du yaourt. Et ça, c'est trop bon. C'est une tuerie. Pardon, excusez-moi. Il y en a 6. Trop, trop bon. Pas en train de vivre. J'ai des Saint Columbus café à co au caramel avec du Candia. C'est du caramel au beurre salé. C'était une tuerie. C'est comme si tu mangeais une danette au caramel au beurre salé. Beaucoup plus liquide. C'est une tuerie. Ça, j'ai adoré. J'ai fait une dégustation sur les. Sur le, YouTube. Nous avons pris hier des chips au champ. C'était pour la soirée de fus. Au champ, crème oignon. On a adoré. Très bon. Et des chips au lait, ça passe très très bien. On a fini un esti paquito, un esti sirop de pêche ou sirop. C'est beaucoup plus meilleur que le esti classique parce que, par exemple, la marque Lipton, Fusti. En général, c'est des marques très connues. Il y a les édulcorants et les édulcorants, c'est très mauvais pour la santé. Donc, je préfère prendre des sirops ou à la limite des Carrefour, Auchan Discount ou Auchan Classique. Enfin, des thés avec du sucre, ça m'arrange parce que. J'en vois pas énormément du thé très sucré. Je coupe toujours avec de l'eau. Voilà. Et donc, du coup, je préfère prendre un sirop, c'est plus économique que du thé. Ah, vous allez attendre le batterie. Au voisin, il se fait de la batterie, c'est son métier. Tu peux me passer un argent, s'il te plaît? Aux toilettes. Il y en a qui collent. Non, j'ai pas de myocarde. Ma belle-mère, elle a mis la crème hier dans le salon. C'était agréable. Je regardais un peu les chambres, je me suis détendue parce que j'avais trop trop chaud d'un coup. C'était l'angoisse, on était dehors, on avait connaissance avec un couple d'hommes, des amis à eux, mon beau-père et ma belle-mère, ils sont super gentils. Ah ouais. Qui ça? Laurent et Stéphane. Oh, bon, je connais. Ouais, mon copain il les connaissait depuis un petit moment, merci. Et
C'est par ça, quoi. Je vais avoir rien avec le Stéphane, comprends. Très très simple. Et on est même invité la prochaine fois. On a beaucoup de points communs. Oh, mon Dieu. On a la réflexion que j'ai portée en moi Stéphane, on a la réflexion que j'ai portée en points communs. Et on a fait une opération de chirurgie bariatrique. Moi j'ai fait la CIF et lui il fait le bypass pour qu'il cogne un petit peu. On a testé l'huile. Oh mais toi tu fermes ta gueule. Ah non c'est Fred, ça va, je j'ai regardé c'est météo. On a testé ça de chez Noz. J'ai pas trop aimé. Je te l'ai terminé comme never. C'était au pain. Bah j'ai pas trop aimé. Donc du coup, bah, je sais pas si je rachèterai parce que j'ai en réserve. Ah, ils sont encore. Ouais. C'était légèrement. Le pain, mais le pain. Ça sentait pas la forêt. Hein. C'était puisque ça sentait bon, hein. J'ai pas le contraire, on l'avait eu à Noz, mais je sais pas, j'ai pas été spray. Trop sourdé. J'ai acheté la marque Light à Zeman. Et mon diffuseur électrique, comment vous dire, il appuie pas correctement sur le spray. Donc du coup, bah, ça se diffuse pas assez. Celui que j'ai acheté, le Gale Aziman, j'ai pris de la marque pour dire, ah, oh, peut-être que ça ira mieux que celui-là, parce que celui-là, c'est dans l'Adobe. Et du coup, bah, j'ai pris un bon diffuseur de marque. Et manque de bol, le diffuseur électrique à pile. Voilà. Il n'appuie pas bien sur le petit spray, le petit aiguille là, qui fait tenir, qui fait entrer le spray, qui fait échapper le spray du moins. Donc du coup, ben, je sais pas ce que je vais faire, faudrait que je teste un de ces quatre, parce que je sais que les bons produits, tu peux les trouver à Magie Dépôt. En général, Magie Dépôt, il n'y a pas d'erreur. Donc il faudra qu'on ait l'occasion de retrouver un spray à Magie Dépôt. Ah. Mais pour l'instant, Glade, Ziman, ça flop. Hello. Danino, banane, j'aime beaucoup, c'est pratique, c'est 70 grammes. Ça passe très très bien, ça change ma vie. Et... Voilà. J'ai terminé une épargne, une riche en magnésium. Et j'aime bien faire une cut de temps en temps parce que je dors beaucoup mieux avec le magnésium. C'est une valeur sûre, ça. J'ai terminé un fromage blanc, le clair, des lits de campagne, au lait entier, une valeur sûre, j'adore. C'était un gros pot de. Je sais plus combien il faisait de grammes. Il faut voir si je l'ai. Non, il n'y a pas le. Ben, la coupe ou comme ça, je vais un peu le délire, c'est un peu ce genre de produit, c'est une valeur sûre. On a fini, il reste deux, on avait déjà testé des spritz au chocolat au lait de chez Aldi à Kevin en Belgique, c'est trop bon, c'est une tuerie, par contre on peut pas les faire quand il est chaud, ils ont pas beaucoup de chaud, du coup bah, je les ai mis au congélateur, au frigo pour les garder un minimum de du chocolat sur le whisky. On a testé du Starbucks, enfin j'ai testé du Starbucks le cannelle dolce latte, c'est très bon mais c'est un peu cher, mais j'aime bien, ça change un petit peu des cappuccinos classiques. Pas trop qu'ils sont chers. La Chaude Fontaine, l'eau en Belgique, on l'a eu à Proxaco il y a une semaine de fourreau. Elle est bonne, elle est découvert pour la nourrisson, mais il n'y a pas assez de magnésium. Ok, ça marche. Un plan de la mousse de chez Carrefour, non, si Carrefour, à Mons en Belgique, très très bon, j'aime beaucoup, il n'est pas trop piquant et ça passe crème, c'est une petite barquette. Je fais ça, j'aime bien. Confiture de lait à la fin de sel de Guérande, j'aime beaucoup, le bois jumelle, c'est en Bretagne, c'est presque ce que je comprends, c'est en Bretagne, c'est trop bon, ça je demande la petite cuillère. Mais bon, c'est une très très bonne découverte. J'aime beaucoup. Je pense qu'il me reste un ou deux papiers. Enfin, un ou deux pots. J'ai testé les glaces Kinder Ice Cream depuis un an. Et ça, je les ai rachetés il n'y a pas très longtemps. Et c'est une valeur sûre. J'aime beaucoup. Je les avais eu
notamment à Leclerc, si je dis pas de bêtises. Et si je dis, parfois, si je me trompe, je mettrai dans les commentaires si je me suis trompée. Et à Leclerc, certainement les autres, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des glaces Kinder. Donc, bah, écoutez, j'ai fini le Roger Cavaillès, un petit déodorant que je mettais dans mon sac pour les pieds. Sur moi, sur mes aisselles, bof, bof, bof. Par contre, sur mes pieds, ça a été dans l'ensemble. Je n'ai pas trouvé de longue durée, malheureusement. Attends. Ouais, je te l'ai bien tué. Ça dépannait bien parce que je transpire beaucoup tes pieds. Donc j'essaie de trouver un bon déo exprès pour mes pieds. Ce qui fait le taf, c'est le Nivea que j'ai dans mon sac, le Nivea Dry. Et le Aldi anti-transpirant en bille. Je sais que je l'avais déjà testé quand j'étais à mon ancien appartement à Valenciennes. Juste à côté de chez moi, il y avait un Aldi. Et j'ai dit, tiens, je vais tester en lirabien pour mes pieds. Et il était très très bien. En fait, ce que je vais vous montrer, si je le retrouve, j'ai juste mon sac à côté de moi et ça tombe bien. C'est celui-ci. Il va trop trop bien, lui. C'est un Nivea Fresh Active. Je l'aime bien parce que c'est un tout petit format, il rafraîchit, il n'y a pas de quelque chose pour pas le faire le perdre. Et je l'aime bien, lui, j'alterne avec celui-ci. Je teste. Voilà. Après, ensuite, nous avons testé un Bjorg. Comme ceci, on l'a vu chez Noz pour 2,59€. Orangement assez relevé, sans sucre ajouté, vitamine C. Très très beau, j'ai bien aimé. On sentit les trois parfums en bouche, donc c'est plutôt bien. On va finir les sticks de Nestlé, les concentrés, ça c'était pas bien. Il va me rester peut-être un ou deux dans mon sac à dos. Ça, je les aime bien parce qu'on sait jamais si on prend un café trop trop fort sur la route et qu'on n'a pas de lait ni de sucre. En général, j'en ai toujours. Mettre du lait comme ça n'est pas très compliqué à en avoir. J'ai voulu reprendre un appel à un certain moment, je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, je dis c'est pas grave. Il m'en reste peut-être un ou deux, je pense. Et j'ai aussi du Nescafé, 3 en 1. Donc, ça fait café, lait, sucré. Ça dépendra. De toute façon, je trouve que je vide ma stock de ce genre de choses. C'est des petits sachets, 6 fois 30 grammes. Ça, c'était parti comme tout. J'ai laissé concentré. Et en général, les sticks de café, c'est pas très 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 volumineux. C'est une astuce bien pratique quand tu as envie d'aller quelque part et que bah, si par exemple le café est fort ou tu as envie de te faire un café, bah, tu prends de l'eau. Et vu qu'en ce moment il fait chaud, bah, c'est beaucoup plus facile pour faire du café. Au moins, tu ne gaspilles pas ton argent pour faire un gros café sucré au lait, par exemple. Parce que c'est pas le tout, mais ça fait cher maintenant les cafés. On a testé une brioche. Une autre truc pour les. Qu'on a vu une tout gros, j'ai bien aimé. Donc on part aussi, bon après ça sent beaucoup les levures, hein, c'est vraiment les boulangers. Brioche stretchée, famille de chocolat au lait casqué, c'est trop très beau, ça fait tout à fait très job. Les trois chez Burger Carrefour, c'est tout à fait très job. Peut-être qu'on l'avait vu en Belgique, c'est bien. J'ai pas aimé, c'est mon compagnon n'a pas aimé, c'est le Joker. Pommes fraises, tomates, c'était pas top, top, top. Et ça, je le recommande pas du tout. Donc, on va trop l'attendre. Une boisson infusée, thé glaçat bio, pêche, j'ai trop aimé. On l'avait chez Intermarché, bon, c'est ça qui était cher. Mais si tu prends la carte de fidélité Intermarché, je pense que ça va aller moins cher. Et ça, j'ai pas fait attention. Bref, donc du coup, c'est une boisson validée. Pas trop trop sucré. Après, attendez. Je remets l'eau. Allez, je remets l'eau. Après. Voilà. Et puis là, j'ai eu une. Ensuite, Paris Express, 250 grammes. Très bon. Très bon, très bon. Moi, j'aurais bien aimé. Riz précuit à la tomate, aux olives noires, à l'huile d'olive extra vierge et aux oignons. Ah bah je savais pas, j'ai pas les données. Pourquoi j'ai très faim? Je crois que c'est du vrai la Méditerranée. Bah ouais, mais ils ont mis des olives. Ah, j'aurais pas aimé.
un poulet curry qu'on avait eu chez Deleuze en Shop and Go en... il y a un an, il y a une semaine tout rond. Oui, il était très bon, un gros gros format, donc c'était bien, on a partagé avec mon copain. C'est gâteau fini, chocolat, banane, Côte d'Or, super beau, j'ai adoré. Ça sent moins le chocolat, c'est une tuerie. Mes bananes, je pense qu'elles sont mûres, donc je vais pouvoir en manger à l'occasion cette semaine. Et s'ils sont mûrs, bien sûr. Et du coup, ben, ça, c'est trop bon. Donc je peux pouvoir manger des vrais fruits, peut-être mieux. Chocolat au blanc, aux amandes de chez Shopkenton, auprès de Pano, 99 centimes chinoises. Trop trop bon, j'ai validé. Des petits chocolats au lait avec du. À l'intérieur, c'était fourré aux noix de coco, amandes. C'était trop 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 bon. Je pense que c'est amandes. Mais je l'ai eu chinoise. Ah. Ah, t'es lassé, trop trop bon. Ça, c'était chez une mince que j'avais ça. Amande et noix de coco. J'ai adoré, c'est un bon produit. Ça change un petit peu de temps en temps. Au thé noir. Ouais, ça j'ai bien aimé. Bon, écoutez, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Et le dernier produit à vous montrer. Des Twix, sauf si tu meurs, genre qui connaît pas les Twix, c'est très beau et ça change beaucoup. Donc les produits terminés sont maintenant finis. J'espère qu'il t'aura plu. Tu peux t'abonner, partager, commenter, liker dans le respect et la bonne humeur. Je valide les commentaires constructifs, les commentaires négatifs, c'est l'eau, c'est ceci, c'est cela. Je suis mal coiffée, je revois ma culotte et la patati et le par exemple, c'est banni, c'est signalé et bloqué. Voilà, je suis là ici pour la bonne. La bonne vibration, j'essaie de divertir les gens à ma façon. Je suis quelqu'un de naturel, simple et ouverte à tout commentaire constructif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un petit peu plaisir de vous voir, de vous parler, de discuter avec vous. Je vais vous laisser. Il fait super bon aujourd'hui. Il fait 25 degrés. Hier, on a eu canicule de ouf, c'était épuisant. C'est en 8h56. Avec Odé, donc on est tout près, il fait 17 degrés. Mardi 19, mercredi 18, jeudi 15, vendredi 15, il pleut, samedi 7, non 16, pardon. Samedi c'est l'anniversaire Marie. Samedi 7, 16 degrés. Dimanche 8, il fait 15 degrés. Donc au Genève, il va faire entre 15 et 20 degrés. Hein. Enfin, non, moi ça va être entre 17 et 18 aujourd'hui. Je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker dans le respect et la bonne humeur. Je vous laisse là et c'est comme ça. Ça sera déjà pas mal.